Bonjour les maîtres africains, ici c'est LB35, le Sonic qui se trouve paumé dans les ruines. Et on se retrouve pour le let's play. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, regardez-les parce que sinon vous perdez le fil de l'histoire, car c'est Sonic un scénario. Comment vous pouvez esquiver ça? Je suis dans le niveau 9 si je ne m'abuse. D'accord. Comment je vais pas sortir de là? 40 rings. Attends, c'est n'importe quoi. Ouais. Je suis là et je ne sais pas trop quoi faire. Oh, il y a des trucs là. En fait, quand les panneaux sont illuminés, je marche dessus. Ah, yolo, non. Il me semble qu'il y a un truc à faire par là. Ce qui est yolo, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un bug. Les bruits se font pas tout à fait au même moment. Il y a un décalage entre son et l'image à cet endroit-là. D'accord. Ouais, mais 40 rings. D'accord. Je peux quick. Oui! J'aimerais bien que la perspective change un peu. Là. Oh, oh, oh! Je crois que j'ai trouvé la solution à l'énigme. Oh, la dose de rings. Oh mon dieu! Oh, coup de lag! Yes. Ah bah d'accord. Parfait. Et bah ce niveau est achevé. Allez au centre des ruines. Oh là! Il est bizarre ce screen là. Se dégrader un peu space. Ploup, ploup, ploup. Wow, what's this? Qu'est-ce que c'est? C'est un mural. Me demandez pas ce que c'est, moi-même je ne sais pas. Et je me demande bien ce que ça peut représenter. En tout cas, c'est flippant. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop ça. Ah, si je me souviens, c'est le coin des Mystic Ruins, là, ok. What's this place? Je ne connais pas cet endroit. Ouais, where am I? This is ah, quoi que non, c'est différent, un peu. C'est différent, il y a un temple qu'il n'y avait pas, normalement. Ouais, c'est carrément à feu. Peut-être pas à 100, mais en tout cas c'est à feu, ça c'est sûr. Bah si, c'est le même. C'est le même coin, mais à une période du temps différente, je pense. Et que c'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des petits chao. C'est mignon. Mais en tout cas, ils ont l'air d'agoniser, donc c'est moins mignon ça. Oh, que c'est mignon, des chao morts, des cadavres de chao. Et un truc bizarre. Il ressemble vaguement à un échidné comme Knuckles, mais bon... Franchement, pour faire de la ressemblance. It's very strange. I must stop this now. Émeraude de mer. C'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. What was that all about? I don't think I'm dreaming here. Hmm? Eggman. What's he doing here? Eggman. This time I'll get him good. C'est pas grave, cette fois je l'aurai. Tiens, mais on le suit. On le suit, Eggman. Eggman, t'es parti par où? T'es parti par là. Viens, Eggman. Je vais te massacrer. Oh mon dieu. Oh non, me dites pas que il a installé une base militaire ici. Il a déjà son aide carrière. Pas peine d'en faire trop, quoi. Bon, je pense qu'il est parti là-dedans.
Ah bah tiens, ça me rappelle quelque chose ce design. Oh tiens, c'est métaphorique. Au fait, récemment dans un Mario, c'est le kart là, Mario Kart, il y a eu un gros plagiat avec Metal Mario. Ça, c'est Metal Sonic et c'est apparu bien avant, en fait. J'ai l'impression que c'est un prototype, ça. Enfin, ouais. Bon, et ben là, j'ai l'impression que c'est une combinaison. What? C'est vraiment chelou. C'est comme ça. Bon, eh bien... What? C'est impossible de vous activer en même temps. Oh! Bah si. Au miracle, je me demande comment j'ai fait. Final IG. Oh là, j'ai comme l'impression que c'est le niveau final de ce personnage. Ce qui veut dire qu'on a bientôt terminé la première partie du Let's Play et qu'on va bientôt attaquer une nouvelle saison. Je crois bien que cet épisode est d'ailleurs l'épisode final de Sonic. Je suis mort. Bah voilà qui commence bien. Pourtant ça a pas l'air compliqué vu comme ça. Les 4 rings. On peut tout détruire. Les trucs là, on peut les activer, les esquiver très facilement. Les trucs là, on peut les désactiver en un clin d'œil. Bon, j'en parle même pas. Je suis déjà allé beaucoup plus loin que tout à l'heure. Pourtant, je suis pas allé vachement loin. Voilà. Une vie perdue, 10 de retrouver, comme je dis toujours. Allez, on y va. Wouhou! Combien de temps reste-t-il sur la vidéo? Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Eh bien, je crois que dès cet épisode... D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, viens là si tu veux. Moi, je rush. J'esquive tout. Je ne prends rien. Je ne tue personne. D'accord, donc des tapis roulants, je vois. Mais quoi d'autre? Tapis roulants! Comment pas se faire écraser par ces roues? What? Y'a pas des risques quelque part? Ce qui serait bien, c'est de faire un niveau sans absolument aucun rise. Ce serait bien comme ça, on pourrait faire des niveaux complètement impossibles. Des niveaux très simples, mais sans rise. Par exemple, le premier niveau, mais sans rise, ça serait bien, ça. C'est un petit peu compliqué, ou pas, d'ailleurs. Ça dépend. Ça dépend pas du coup de lag. Allez, j'y vais. Ouf, ces deux anneaux-là, ils sont vraiment les bienvenus. Pour ceux qui jouent à Sonic and Sega All-Star Racing, oui, cette musique-là aussi a été reprise. Si on me demande lesquels niveaux j'ai détesté le plus, je dirais le niveau 9 et le niveau 6, le Rainbow Tales. Le niveau 9, c'est Lost Ford. Et oui. Le niveau 6, c'est Rainbow Tales. Je sais pas, il y a un truc qui me dégoûte vraiment dans ce niveau. Visuellement, déjà, je l'aimais pas. Après, en jouant, je sais pas, il y a un truc qui me déplu, mais je ne mets pas la moindre idée de ce que ça peut être. J'aime pas ce niveau, c'est tout. Désolé, j'ai dû mettre un petit truc, un petit blague. En fait, c'est parce que je vais lui éteindre le truc, comme quoi McAfee n'est pas à jour, et blablabla, et blablabla. En plus que McAfee est désinstallé parce que on a mis à Rest. Sur notre PC. Ça, c'est une bonne idée de Windows, c'est de mettre par défaut des antivirus, mais des antivirus payants en version d'essai.
franchement c'était une bonne idée. Le lag par contre c'est moins une bonne idée. Oh là, oh mon dieu. C'est qu'elle est bien protégée la base d'Eggman. Eggman, si vous voulez que j'appelle Robotnik, vous me dites en commentaire. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir d'une manière ou d'une autre, par un commentaire, par un petit pouce vert, de temps en temps aussi c'est bien. Et puis, soyons fous, si franchement vous adorez ça et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à visiter, tralala. Ben voilà, autant me concentrer, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, dépêche-toi de passer le marteau. Ouais, ils sont bien venus, sérieux. What? Ah, very strange. Oh bien, j'ai pris un ascenseur. PGM! D'accord, c'est un escalier, je croyais que c'était vite. Ça avait perdu la vitesse. Mais bon, je sais que les créateurs ne sont pas aussi cruels que ça. Le jeu n'est pas si vieux que ça. Les vieux, les jeux en général, plus ils sont vieux, plus ils sont durs, sauf certains. Celui-là date de 2003. C'est une réédition. Le premier date de, je sais même plus si c'est de cas. Quel imbécile. Bon bah moi quand je parle, il se passe toujours des trucs à l'écran et voilà. Voilà. Je reste toujours à une limite stable de 20 vies. Ce qui est quand même assez correct, je trouve. J'ai ma souris parce que si ça se trouve on la voit à l'écran. Elle frappe, je sais pas, mais je sais pas si ça fait un peu par. Par Sonic Adventure. Parce que frappe, vous savez, il filme que ce qu'il s'affiche sur la fenêtre. Donc normalement il n'affiche pas la souris, en tout cas pas dans Minecraft. Ça se trouve, ce logiciel-là, ça l'est fait. Si vous savez frappe, vous savez que le petit mot qui est indiqué dans chaque fichier frappe si vous filmez Minecraft, c'est Java Exe. Bah ici c'est simplement Sonic. Seulement Sonic. Et c'est assez marrant de voir les noms de fichiers comme ça. Mis par Fraps, et c'est bon quand même. Sonic 2013-10-28. Oh là là, ça lag très légèrement. Ça affiche la date et l'heure où la capture a été prise. Parfois, quand on fait clignoter rapidement le record, ça crée des fichiers identiques. C'est obligé de faire des copies un peu bizarres. Vraiment des voix un petit peu strange, mais moins bien vu. Parce que... What the fuck ? Je crois qu'on est à l'épisode 9 quand même, là, du Let's Play, et sans doute l'épisode final en ce qui concerne Sonic the Hedgehog. Youhou, yolo ! Un anneau, d'accord. Anneau x 1. Anneau x 10, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, ça dépend de l'échelle. Anneau x 1000 et anneau x 10 000, c'est pas pareil non plus. Oh oh oh, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc? Et ils apparaissent en masse. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Ah d'accord, Creeper. Je vois, c'est l'aspect Creeper qui est mis en évidence là. Le problème c'est qu'on peut pas tous s'en débarrasser, j'ai l'impression qu'il y a un mob spawner quelque part. Enfin on n'est pas dans Minecraft, je sais mais bon. Vite! Ouf, tout à YOLO. D'accord, en fait c'est des creepers qu'on one shot. Les creepers, ça permet de pousser des creepers, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Quand on est un Jean-Kevin dans Minecraft, quand on voit un creeper, on pousse un creeper. Ah, lol. Oula, je sens qu'il faut que je fasse gaffe parce que... Les ventilateurs, un tout petit peu instable. J'adore ces boucliers. Les attrape-rings, comme je les appelle. Ah, non, je vous attendais de m'enlever mon bouclier à la prise. Oh, bah, de toute manière, il y en a juste de là. Ah, ça fait toujours la glisse. Speedrun. Creeper. Des creepers partout. Oh, oh, un accélérateur. Pouf. PGM. Ou pas.
Pardon? Ah, quand même. Oh! YOLO. Swag. YOLO. Non, ça. Ça passe de toute manière parce que on en a absolument pas besoin. Et il fait la gueule. Oh, YOLO PGM. Je vous mettrai un défi afin compter le nombre de fois dans la série où j'ai dit intuition, YOLO, swag, PGM et métal. J'ai des manies. Oh, censure de censure, Creeper. Pourquoi la porte n'est pas ouverte? Elle était ouverte il y a 2 secondes. YOLO. Je vais me mettre là, je suis en sécurité ici. Ou pas. Bon, bah c'est pas grave, de toute manière, on était juste à côté. Plus ou moins. Oh non, je me sens mal sur mon bouclier magnétique. Sans mon bouclier magnétique, je ne suis rien. On l'a refait. Oula. En plus, ça a pris du temps à charger. YOLO. Je sens vraiment pas en sécurité, ça m'a bouclé. Surtout avec des creepers partout. Vite, on en profite. J'ai jamais su à quoi il correspondait, c'est bon, je trouve. Bien. Je vais pas tarder à le savoir, j'ai l'impression. Ils envoient des rayons laser, je sais pas ce que ça fait quand ils nous touchent. Je vais éviter de faire l'expérience en tout cas. Parce que ça se trouve, ça fait très mal. D'accord, base d'entraînement, je vois. Ça apprendra à être trop curieux. Bon, faut dire que les réponses sont carrément pas trop loin. Ouais bon, faut pas que j'y aille trop YOLO quand même. Bon tant pis, cela je les rush, tant pis, je les tue pas. C'était peut-être pas meilleur avec ça. Oh oh, coup de lag. Bon, c'est pas que ça fait mal alors. D'accord, je vois. Ça nous immobile. C'est la fin de la vidéo, vite fait ça, et je vous dis adieu les amis pour l'épisode suivant. Bah c'est dommage, on avait quasiment terminé. Pourquoi? Ah bah d'accord. Bon, et bien, voilà. Et donc ça va être la fin de la vidéo. Bah c'est parfait, ça correspond bien. Et je crois bien que là, on va pouvoir augmenter un tout petit peu la durée de la vidéo. Parce que je sens que ça sent très fort la fin en fait. Donc j'ai envie de voir ça. Bon allez, la vidéo est presque terminée, mais on va pouvoir terminer cette partie là avec Sonic, je pense. Parce que... Oh là, mon dieu, c'est un boss. C'est le boss final. Prenez là. Qui fait laguer. Tiens, tiens, on dirait mon ami Sonic, je pensais pas que tu arriverais jusqu'ici. Bah moi si, tu vois, je pensais. Ne bouge pas, Eggman. On va faire un truc. Un truc YOLO. Un truc puissant. Et voilà. Un boss. Et c'est visiblement le boss final, donc je vais vous en faire profiter. Dans le prochain épisode, tralala.